Coucou tout le monde, nous sommes jeudi, mais où est donc passé mercredi? Mercredi a été bien occupé. Puis mercredi, il n'y a pas école l'après-midi, donc les choses se déroulent toujours un petit peu différemment. Voilà. Mais donc je vous retrouve jeudi. Hier d'ailleurs j'ai eu des nouvelles en fait des arrivées des pochons des Lily White et des Lily Black. Mon imprimeur donc a pris des nouvelles du transporteur et il va y avoir un petit peu de retard dessus. Ils vont arriver plutôt en décembre plutôt qu'en novembre. Donc voilà, ils devraient arriver début décembre. Forcément avec tout ce qui se passe actuellement, bon, on pouvait s'y attendre. Il y a forcément un petit peu de retard. Le confinement par contre n'était pas encore prononcé lorsque les paquets ont été envoyés, mais bon voilà, on s'adapte, on fait au mieux. Et ce que je trouve vraiment chouette, c'est qu'en fait du coup hier j'ai prévenu toutes les personnes qui avaient fait des précommandes, et ce matin en me levant j'avais quelques messages dans ma boîte Gmail, et tous les messages étaient des messages très gentils, très positifs, en disant que bien sûr les gens comprenaient, qu'on faisait au mieux, et en fait ça m'a fait vraiment vraiment plaisir. Parce que voilà, c'est toujours désagréable. Moi, c'est toujours embêtant en plus d'envoyer, de dire bon bah on va avoir du retard, je suis vraiment désolée, voilà. Et voir la compréhension en fait qu'il y a eu autour de ce retard, bah, je trouve ça très très chouette. Et c'était plus, j'ai vraiment sorti comme une vague de solidarité. Il y a vraiment des personnes qui m'envoyaient des messages d'encouragement et tout. Et j'ai trouvé ça très très chouette. Donc si vous faites partie de ces personnes-là, merci beaucoup et merci du fond du cœur. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Et puis justement, c'est aussi une petite piqûre de rappel pour tout le monde, moi y compris, de me dire qu'en cette période un peu troublée, un peu compliquée, bah, on attend peut-être des lettres, des cadeaux, des choses qu'on aimerait récupérer dans les magasins aussi, avec le pick and collect, et qui ne se font pas aussi rapidement que simplement aller dans le magasin. Et en même temps, bah, c'est un soutien de continuer à acheter dans nos petits magasins respectifs, chez nos petits créateurs, et malgré les difficultés, et d'avoir cette compréhension-là que bah, les choses sont différentes, les choses ne sont pas comme d'habitude, et en même temps, cela n'empêche pas de faire les choses et que chacun fasse de son mieux. Donc voilà, un grand merci, un grand grand merci pour votre solidarité, pour votre soutien, pour votre gentillesse dans tous vos messages. Je viens de vous montrer la petite étagère que j'ai juste en face de moi, ici, juste derrière vous. C'est une petite étagère avec des poteries que j'ai faites, les petits pingouins que vous avez vus au début, des illustrations qui me plaisent, des cartes qui me plaisent, mon tambour, bien sûr, jamais trop loin de moi. Et puis des petites souris aussi de Noël que j'ai rapportées du Canada de l'an dernier. Au Canada, en fait, pas où ? À Montréal en l'occurrence, puisque j'étais à Montréal, il y a une boutique qui s'appelle Noël Éternel. Donc c'est une boutique qui est là toute l'année et qui est uniquement sur le thème de Noël. Et j'avais complètement craqué pour ces petites souris. J'adore les petites souris. Et ces petites souris de Noël, alors les petites souris du printemps, des petites souris de Noël, je les ai toujours en face de moi. Et j'adore ça. Je suis très très fan de petites souris, de petits diddles aussi, vous avez vu. C'est ma maman qui m'offre un petit diddle depuis que j'ai eu ma fille tous les ans pour la fête des mères. Elle me trouve un petit diddle sur une brocante, voilà. Et elle m'offre un petit diddle et j'adore ça, c'est devenu notre petit rituel. Voilà, j'ai
Je sais plus depuis quand je vous ai fait le dernier vlog. Il s'est passé pas mal de choses en fait cette semaine. Il s'est passé énormément de choses pour moi personnellement. J'ai dû pas mal me recentrer en fait sur ce que je voulais mettre en place. Ça m'a beaucoup aidé aussi de suivre la progression ou les vlogs d'autres illustratrices. J'étais un peu trop tombée dans le côté administratif, tout ça qui me parle pas plus que ça, mais il fallait le faire. Et du coup, je me trouvais un petit peu perdue par rapport à tout ça. De vous faire des illustrations, de les filmer comme je vous ai montré, ça m'a fait énormément, énormément de bien de les partager avec vous. Je vois qu'en plus ça vous a plu. Cette période en plus où ça devient un petit peu plus difficile avec le froid, avec le soleil qui tombe beaucoup plus tôt, la nuit pardon, qui tombe beaucoup plus tôt. Je vois que ça vous a plu, je crois que ça nous a fait du bien à tous, c'était génial. Et puis lire vos petits messages, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, donc merci à tous pour vos retours. J'ai continué mes petites illustrations, j'ai fait celle-ci aussi que je ne vous ai pas montrée parce que je l'ai fait en plusieurs temps. Et je l'adore en fait. Et du coup, j'avais envie de vous sortir une collection de 4 cartes pour Noël. Ça fait très très longtemps que j'avais pas fait ça. Et ça me replonge un petit peu dans le côté plus artisanat en plus, où ce sont des petites collections. Par exemple, là, je pense en faire uniquement une centaine, 100 cartes, donc 100 packs. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais faire ça. Ça me fait du bien de voir quelque chose de plus petit, d'être plus, voilà, plus petit, d'avoir la main sur un peu tout. Les cartes, je les fais imprimer moi à Toulouse. J'ai un imprimeur juste à côté qui me fait de très jolies cartes. Donc j'aime bien ça aussi. C'est un contact différent quand on travaille avec l'étranger. Et aussi, j'avais très envie de faire un magnète rond de 75 mm. Donc 7 cm, c'est... Hop, je vous montre pour vous montrer, c'est plus grand que celui-ci par exemple. Je l'ai pris un petit peu comme référence. Je suis très très fan de magnètes. Donc là, ce serait la taille du dessus de celui-ci sur le thème de Noël aussi. Alors je vais vous montrer ça et j'aimerais vraiment avoir vos commentaires en dessous, savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment. Parce que ça fait tellement longtemps en fait que j'ai pas fait ça. Puis d'habitude, je les vends plutôt sur les salons. Là, c'est. Je passe que par mon site, donc j'ai vraiment pas de retour de votre part. Et ça m'intéresserait vraiment beaucoup d'avoir votre avis et votre retour, de savoir si vraiment c'est un produit qui vous plaît, qui vous plairait d'en avoir plus. Si vous souhaitez aussi le commander, ça pourrait me permettre aussi de savoir combien je dois en faire aussi pour pas décevoir si jamais j'en fais trop peu. Donc je vais vous montrer ça tout de suite et puis n'hésitez pas à me dire justement juste en dessous si ça vous plaît. Voilà. Voilà, alors je vous filme mon écran, ce qui n'est pas terrible pour la qualité, mais c'est pour vous donner un aperçu. Vous voyez, je vous ai fait 4 cartes. Alors, tous les petits sapins là que j'ai peints à l'aquarelle avec le sapin de Noël qui est ici. Celui que je viens de vous montrer, la carte que je viens de vous montrer, donc de cette illustration-là. Il y a la carte que je vous ai montrée aussi précédemment sur la boule de Noël et celle sur le gui. Alors je vais. Voilà, vous avez vu mes petites créations, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et en parlant de création et de créatrice, j'avais envie de vous montrer aussi ce que j'ai reçu cette semaine. Donc il y a des badges, parce que j'ai craqué sur les petits badges, la nouvelle collection de Margot. Alors vous le retrouvez sur le site de Margot Brett Shop. Je vous le mets juste ici, comme ça vous pourrez aller voir. Voilà. Donc là, il y a les deux petites souris. Je trouve ça tellement cracouné. Pour ceux qui aiment l'univers Miyazaki, les petits esprits de la forêt. Et bien sûr, ça c'était sa nouvelle collection, le petit chapeau de sorcière. Alors ça m'a fait rire parce que j'ai mis une petite story sur Instagram et je l'avais mis justement, je me l'étais accroché, mon petit badge chapeau de sorcière. Je pense que je le mettrai sur mon sac plutôt d'ailleurs parce que mon sac est de couleur bleue donc il sera parfait. Mais je voudrais pas le perdre.
Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais t'es pas un petit peu grande pour ce genre de choses? Je lui dis, mais parce qu'il y a un âge spécifique pour ce genre de choses, moi je crois pas. Je pense que c'est chouette de garder son enfant, de nourrir son enfant intérieur et de garder son état d'esprit enfant. Je pense que, je crois que la vie, en fait, et on l'a vu ces dernières semaines, hein, avec toutes ces histoires de paperasse et tout ça, nous remet bien les pieds sur terre, ça, il n'y a pas de souci. Et avoir les pieds sur terre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aussi de temps en temps avoir la tête dans les étoiles. Donc moi j'aime bien aussi avoir la tête dans les étoiles et ça m'empêche absolument pas d'avoir les pieds sur terre. J'aime les petites souris de Noël, j'aime les petites poupées, j'aime les petites choses mignonnes, j'aime les jolis petits badges, les belles créations. Et ça m'empêche pas pourtant de travailler, de faire ce qu'il faut aussi. Donc voilà, faut pas penser ça, faut pas se faire ce genre de réflexion. Alors je vous remets là. Voilà l'adresse de la créatrice. Et en parlant d'une autre créatrice, j'ai reçu aujourd'hui même mon automne cosy, qui est donc le livre de Caroline Millet, Caro Framoudland, dont je vous parle et vous reparle et vous reparle depuis quelques semaines. Mais elle m'a tellement aidée à passer l'automne, elle m'a tellement fait du bien et ça m'a tellement reboosté aussi pour les moments un petit peu plus difficiles de cet automne. J'avais très très envie de découvrir sa création, de découvrir son livre, découvrir un petit peu, de plonger dans son état d'esprit aussi. Donc il y a de très jolies aquarelles, il y a des recettes de cuisine, des petites choses qu'elle a envie de partager sur l'automne, ses séries préférées, ses livres, ses films. Voilà, là on a par exemple les films d'automne. Voilà, donc là c'est très chouette, moi j'aime beaucoup, ça me fait plaisir, et ça va me réchauffer le cœur, je sens, de lire son livre. Donc merci Caroline, merci Caro si jamais tu passes dans le coin. Mais il me tarde vraiment de découvrir ton livre et puis tu ne le sais pas, mais merci pour tout ce que tu m'as apporté pour cet automne. C'était un régal de te suivre dans tes aventures livresques. Ça m'a rappelé en fait de suivre les créatrices. Ça m'a rappelé en fait l'importance de mettre du sens aussi dans ce qu'on fait, de voir aussi des personnes qui créent avec le cœur qui bat. Parce que j'étais tellement dans ce côté administratif que bah, moi ça ne me parle pas et ça va de temps en temps, mais moi je suis une créatrice en fait. Et je me rends bien compte d'ailleurs qu'il y a plusieurs types de personnes, mais quand on monte une entreprise, quand on crée du contenu, quand on crée des illustrations, il y a le créateur, il y a celui qui aime créer, et puis il y a celui qui aime manager, mettre en place, assembler, tout ça. Moi j'aime bien un petit peu mettre en place tout ça, mais il ne faut pas que ça me prenne trop de temps. Donc c'est le genre de choses que j'aimerais pouvoir déléguer, par exemple. Et en même temps, j'ai envie de me consacrer comme ça à la création. C'est vraiment ce qui me fait battre le cœur. Après, c'est toujours important de pouvoir avoir un retour, d'avoir la main quand même sur ce qu'on fait, de décider des collections. Mais j'ai envie que ça reste petit, en fait. Et ça, je m'en rends compte de plus en plus. J'ai envie de prendre plaisir, donc d'arriver à gérer ce que je fais. Et pour ça, il ne faut pas que je sois submergée par les à côté, en fait. Il faut que je reste dans ma thématique de création qui est vraiment, moi, ce qui me fait vibrer et puis ce qui me met en connexion. Ça me met en connexion avec moi. Je trouve qu'à chaque fois, ça me fait partir, ça me met en connexion avec tout. C'est comme une méditation, en fait, quand on se plonge dans une illustration, quand on se plonge dans la création comme ça, on voit pas le temps passer, on est absorbé par ce qu'on fait, on est vraiment dans une méditation, en fait, hein. Et puis il y a souvent, moi je le vois quand je crée pour un jeu, il y a beaucoup de messages aussi qui me viennent, il y a beaucoup de choses qui me parlent, des images qui me viennent. Souvent quand je crée un jeu, je me couche le soir et tout d'un coup j'ai des flashs, des images qui me viennent en lien avec la thématique sur laquelle j'étais en train de travailler dans la journée. Et je trouve ça beau en fait, ça me nourrit autant l'esprit que ce lien que j'essaie d'entretenir justement avec le monde qui nous entoure. Et je trouve ça merveilleux. Voilà, donc voilà où j'en suis actuellement.
Les projets à côté avancent. Je pense que Envolée sauvage, là, est parti à l'imprimerie. Donc voilà, ça c'est super. Il me tarde de voir le premier jeu de Wild. Le tarot renard est aussi parti à l'imprimerie. Donc pour l'instant, on tient nos délais. J'attends de voir un petit peu comment ça se passe avec la situation actuelle. Je suis toujours en attente des pochons. Coucou les amis, nous sommes jeudi. Alors, je vous ai filmé hier toute une... avant-hier. Je vous ai filmé avant-hier toute une petite partie en fait sur les cartes, la collection de Noël. Et puis j'ai décidé le soir même, pour ne pas perdre de temps, de la mettre directement en vente en fait sur la boutique pour pouvoir faire quelques petites précommandes pour savoir en fait le nombre de personnes qui seraient intéressées. C'est beaucoup plus concret finalement que de vous demander en dessous des commentaires de savoir si ça vous plairait ou pas et puis de savoir concrètement, parce que ça peut vous plaire, mais concrètement est-ce que vous l'achèteriez ou pas. Donc j'ai fait ça, ça m'a permis de voir un petit peu qu'est-ce qui plaisait, qu'est-ce qui plaisait moins. Alors j'ai l'impression que l'illustration que j'ai mis en magnette, c'est celle qui au final vous plaît un petit peu moins. Pourtant moi je l'adore, elle est trop mignonne, mais je vous la montrerai vraiment de plus près quand je le recevrai. Puisqu'au final, comme j'ai vu que c'était peut-être ce qui vous plaisait le moins, j'ai quand même commandé les magnettes. Au pire, tant pis, j'en recommanderai, c'est pas grave. Mais je pense que de toute façon, j'en ai commandé largement suffisamment. Et par contre, les cartes, j'attends vraiment vendredi, donc la fin des mini précommandes. Ça aussi, c'est pas très grave, je pourrais en commander. En une semaine, elles sont livrées. Mais comme ça m'a vraiment donné en fait une très bonne indication. Et je pense d'ailleurs en faire un tout petit peu plus que ce que j'avais prévu de vous faire à la base. Puisque vous avez été très... mes cartes vous ont bien plu. Voilà. Donc je pense que je ferai ça. Donc j'attends vendredi pour voir un petit peu plus, pour avoir un petit peu plus de retour et de recul. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous préparer les colis. Je vais peut-être un petit peu vous montrer l'endroit où je prépare ça. C'est juste à côté de mon bureau. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc grosso modo, vous avez mon bazar bureau ici. Et juste à côté, vous avez l'installation que j'ai faite pour pouvoir préparer les colis. Donc il y a une étagère ici. Donc on est le matin et il y a beaucoup de lumière et de contraste. On a le jeu des feuilles, vous voyez, un petit peu partout. Donc vous voyez pas très bien, je suis désolée, mais c'est comme ça. Je vais vous rapprocher pour mieux voir. Donc ici vous avez les pochons, donc ici les pochons du reflet de lune, ici les pochons du Tanis, il y aura les pochons du Lily White et du Lily Black qui arriveront ici. Donc j'ai toujours pas de nouvelles, tout va bien. Ici on a les Lily Black. Ici ce sont les derniers livres qui me restent du Lily Black. Il m'en reste vraiment très très peu, il m'en reste une dizaine. J'ai mis de côté pour toutes les précommandes, hein, bien sûr, qu'on a fait, et les Kickstarter. Mais voilà, pour l'instant, j'en suis à une dizaine. Ici, on a les Lily White qui sont déjà tout emballées. Les oracles des reflets, pareil, qui sont emballés aussi. Et ça, je vous prévois aussi une petite surprise. Normalement, à partir de l'an prochain, il n'y aura plus d'emballage comme ça. Mais par contre, il y aura autre chose. Donc, je vous en reparlerai bientôt. Ici, on a le Sweet Ladies, on a le Mini Lily White, on a le Tanis en vert. Voilà. Et on a dans le coin les petits reflets de lune aussi emballés. Donc vous ne les voyez pas très très bien. Voilà, vous les voyez mieux ici. En dessous, j'ai des cartons puisque quand je fais des envois dans les lettres bulles, en fréquence EO, ce sont des envois qui sont mélangés avec les cartons de la poste. Enfin, ça part avec tout ce qui est colis. Donc, pour être sûr que votre colis, votre jeu, votre paquet ne soit pas abîmé, je rajoute à l'intérieur, en fait, j'entoure les jeux de cartons. Vous voyez, comme ça, je les entoure pour bien les protéger. Voilà, juste en dessous, c'est du papier craft. Du papier, je sais pas comment on appelle ça, du papier à air, et du plastique. En fait, tout ça, c'est de la récup.
Les cartons aussi, hein, c'est pareil, c'est de la récup. Moi, j'utilise énormément, énormément de récup. Je trouve ça, c'est bien plus écologique d'abord. Au lieu de jeter vos emballages, je les récupère et puis comme ça me permet de vous faire les colis. Voilà. C'est pareil, vous voyez en dessous. Alors ici, là, j'ai mes petites cartes que j'aime bien. Quand vous m'offrez des petites cartes aussi, je les mets ici pendant un certain temps. Ensuite, j'aime bien les ranger. J'ai un endroit spécial pour ranger vos petites cartes à vous. Ici, c'est pour préparer aussi les cartes numérotées de tous les jeux. Donc là, il y a la version mini, là, il y a la version standard, ici, on a celle du reflet de lune, le Tanis, le Sweet Ladies, l'oracle des reflets, et là, j'ai un petit stock pour le Lily White et le mini, donc il faut que je range ailleurs. En dessous, j'ai les marque-pages de l'oracle des reflets, il m'en reste plus beaucoup, du Lily White, Lily Black, mes cartes de visite, les petites cartes que je vous mets à l'intérieur, le petit dépliant sur les formations aussi. Donc les ciseaux, les petites étoiles, les petits stickers. Ici, c'est des petits stickers que j'avais fait moi-même, en fait. Et puis, c'est pas. Franchement, ils sont pas plus jolis que ceux qu'on achète comme ceci, que moi j'aime bien. Et surtout, en fait, ils se décollent moins facilement parce qu'il y a des petites languettes derrière. Des fois, il faut les trouver avec les ongles. Donc au final, c'est quand même plus facile en rouleau. Que comme ça en étiquette, en planche étiquette. Et ici à côté, j'ai les petites étiquettes que je colle sur vos colis pour avec l'adresse pour l'expéditeur. Voilà, alors. Et là, c'est quelques colis qu'il faut que je fasse, que j'ai préparé hier. Ici, je vous ai fait toutes les enveloppes déjà pour les précommandes des cartes, des magnettes pour Noël, en fait. Donc tout est prêt, quand ça arrive, j'aurai plus qu'à le faire, hein, qu'à le mettre dedans. En dessous, j'ai mon papier bulle, c'est pareil, c'est du papier bulle qui est 100% recyclé, puisque c'était du papier bulle qui était destiné à aller à la poubelle, que je récupère en grande feuille. Donc voilà, j'en ai beaucoup, beaucoup dans mon garage et je les récupère, je les découpe pour vous faire vos envois. Et ça, voilà. Ici, c'est pareil, j'ai une petite enveloppe aussi que j'ai récupérée. Tout en dessous, là, on a. Ici, c'est le petit dépliant que je mets dans les Lily Black avec les mots-clés. Ici, on a quelques cartes. J'en ai plus beaucoup. Ça, c'est pareil. Il faudrait que je fasse du réassort. Le marque-page, le grand marque-page. Et puis voilà, après c'est un petit peu de réassort. Vous voyez, c'est des marque-pages, des cartes de visite. Ici, c'est à l'intérieur en fait de certains oracles des reflets. Au début, on me disait qu'il manquait des livrets. Donc mon imprimeur m'en a envoyé une dizaine au cas où. Et puis en fait, j'ai plus du tout de demande maintenant. Donc je pense qu'il y a vraiment juste eu quelques jeux comme ça qui ont eu un livret qui ont sauté. Enfin, quelques jeux sur les 900 que j'ai déjà envoyés, il y en a eu 3. Donc tout est relatif. Donc voilà. Après là, c'est du matériel de peinture que j'ai en dessous. Ici, c'est quand je faisais de la porcelaine froide. Voilà, pour les festivals, je fabriquais des petits fantômes, des petits poulpes. Je les accrochais sur des bracelets ou alors en boucle d'oreille aussi. Voilà, donc ça, c'est mes petites créations que je faisais avant. J'ai bien eu envie de m'y remettre d'ailleurs, puisqu'on a fait de la porcelaine froide pour Noël avec ma fille. Enfin, pour Noël là en septembre, mais pour faire des petites décorations accrochées dans le sapin. Je vous ai filmé d'ailleurs la préparation de la porcelaine froide. Donc ça, c'est quelque chose que si j'ai le temps de le monter, je vous mettrai en vidéo au moment de Noël, pareil, enfin en décembre. Et voilà, après, voilà, c'est toujours pareil, on a du petit carton, du matériel créatif. Et je vais juste vous montrer, hop, je tourne, et de l'autre côté, vous avez ici tout le stock aussi. Enfin, c'est pas tout le stock, il y en a une partie dans mon garage, mais ça, c'est du stock que j'ai déjà sorti. Donc ici, vous avez les journaux de tirage, donc le journal violet, le bleu, le noir et le marron. En dessous, vous avez la box, en fait, des Lily Black. Donc là, il faut que j'en refasse. Ça me permet de voir en fait
combien il me reste de jeux emballés. Donc là, il faut que je refasse des Lily Black, il faut que je refasse des Lily White puisqu'il m'en reste plus que deux. En haut, là, j'ai les mini. J'ai en version mini. Vous voyez, j'ai emballé juste cette rangée. Là, c'est du stock justement pour les cartes. Les cartes que j'envoie. Ici, on a l'étagère de l'oracle des reflets. Vous voyez, j'en ai plus du tout d'emballé, donc c'est pareil, il faudrait que je le refasse. Ici, on a celle du Tanis, donc il m'en reste pas mal d'emballé. Je vais pousser ça. Hop. Et ici, on a l'étagère du Sweet Ladies. Donc pareil, il me reste encore pas mal d'emballés. En dessous, j'ai quelques exemplaires des journaux de tirage. Le reste est dans le garage. Voilà. Et en dessous, j'ai quelques jeux, soit que j'ai en double, soit que j'utilise pas beaucoup. Donc je les ai stockés en fait ici. Un petit peu de terre à poterie. Voilà, pour l'instant, ça c'est les jeux ou les livres où j'ai moins accroché, ou pas forcément, hein. Mais par exemple, ceux-là, je les ai en double. Donc voilà, je sais pas encore trop quoi en faire, et puis j'ai pas encore eu le temps de me poser la question. Donc pour l'instant, je les laisse ici, je les stocke ici. Et ici, là, c'est les jeux qui ont eu des mésaventures. Voyez, par exemple, ici, la boîte est arrivée toute cabossée. Donc ça, c'était lors de la réception des jeux. Voilà, il y avait un carton qui avait pris un gros shoot. Et du coup, j'ai... Bon, alors ça va, hein, j'ai eu que deux boîtes de bien abîmées. Et les jeux sont intacts à l'intérieur. Par contre, il y a un livret qui a pris aussi. Voilà, donc pour mon petit tour d'horizon, à côté, là, j'ai mes affaires de peinture, de sculpture aussi. Du papier aquarelle qui traîne, mon petit meuble avec toutes mes affaires de dessin. Voilà, c'est un petit meuble à couture qui s'ouvre, que j'ai récupéré de ma grand-mère. Là, normalement, je mets mes aquarelles, mais pour l'instant, je les utilise, donc elles sont sorties sur mon bureau. Et puis ensuite, vous la connaissez, c'est mon étagère à jeux. Voilà. Et tout en haut, je pense que vous devez le voir dans les vidéos, c'est tous les cartons que j'ai récupérés. C'est pareil, du coup, je récupère des cartons. C'est bien pratique parce que ça permet d'avoir différentes tailles de carton. On n'a pas toujours la bonne. Et là, par contre, vous voyez, c'est du carton que moi j'ai acheté pour faire des envois un petit peu plus standard. Je sais qu'il y a 3 ou 4 jeux qui rentrent dedans, plus un livre. Donc voilà, ce sont des cartons que j'utilise moi, que j'ai acheté moi. Mais sinon, j'aime bien aussi pouvoir en récupérer pour pouvoir avoir différentes formes. Et juste à côté, on a une autre petite étagère à jeux. Souvent, je le change parce que je m'assois des fois sur ce petit canapé. Et donc, je change, je mets certains jeux que j'utilise vraiment, par exemple les jeux de saison, je les mets ici. Comme ça permet de les piocher quand je les utilise et quand je suis assise. Juste à côté. Voilà, c'est chouette. Et le livreur vient juste de passer et de m'apporter les magnettes. Alors, je vous les montre. Ils sont plus grands que ce que je pensais. En fait, je pensais que ce serait un tout petit peu plus petit. Et bon, j'en ai déjà mis un sur mon frigo. Ils sont super jolis. Ce sont les sapins que je vous ai fait à l'aquarelle. Donc, j'espère que ça rendra bien là, à la vidéo. Ah, la caméra me dit qu'elle a du mal à faire la mise au point. Voilà, donc là le rendu est un petit peu jaune à l'écran, j'ai l'impression. Ils sont pas jaunes comme ça. Et donc ce sont les 8 petits sapins que je vous apprends à faire à l'aquarelle dans une des prochaines vidéos. Je vais vous la poster cette vidéo en début décembre. Donc, je vous ai fait un tuto pour peindre vos sapins à l'aquarelle. Et donc, vous retrouvez chacun des 8 sapins que je vous apprends à faire. Et il y a l'arbre de Noël, bien sûr, avec le petit bonhomme plein d'épices. Alors, je vais vous le mettre... Hop, je vais changer la lumière. Voilà. Voilà, ça fait un peu trop bleu. Bon, bah, je suis désolée, il va falloir l'acheter pour avoir la bonne couleur. Mais je vous assure qu'ils sont super mignons, ils sont super jolis. Ah, je suis trop contente, je suis vraiment contente du rendu. Tadam! Et ils sont soft touch, ils sont tout doux.
Voilà, c'est du tout doux à mettre sur votre frigo. Des petits sapins tout doux.